Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réfléchir ensemble à la question « Comment peut-on gagner de l'argent en bourse en 2020 ?» Alors on me dit qu'en 2020, la bourse va s'effondrer. Si elle perd que 20%, on s'en sortira bien, donc il ne faut pas investir en bourse. On me dit qu'en 2020, la bourse va continuer à monter et qu'elle peut très bien prendre encore plus de 20%. Alors, il faut investir en bourse. Bon, je fais un petit peu le clown sur ces façons de poser les problèmes, mais c'est une façon de poser le problème qui est fausse, qui n'est pas bonne du tout, parce qu'elle n'est pas opérationnelle. Savoir être capable d'anticiper, d'abord, ça serait extraordinaire, anticiper si la bourse, dans les mois qui viennent, va monter ou au contraire va s'effondrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je vais vous expliquer quelle est mon analyse sur ce point. Alors quand je dis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je mets de côté l'intérêt des hommes de communication, des journalistes, qui est bien sûr de faire le buzz et de pouvoir faire des articles. C'est leur job. Et puis les réflexions qui vont se greffer autour du problème, même s'il est mal posé, ne sont pas, elles, forcément sans intérêt. En tout cas, il y a un minimum d'intérêt qui est que ceux qui écoutent ces sujets-là et qui se sentent concernés par ces sujets-là, ben, simplement parce qu'ils sont déjà investis en bourse, qui veulent encore investir en bourse, eh bien, vont avoir leur réflexion, qui vont être stimulés, et ça ne peut que les faire avancer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous dire pourquoi, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt, comme d'habitude, si le thème de cette vidéo vous intéresse et si au fil des minutes qui vont passer, vous trouvez que je vous apporte, comme on dit, de la valeur, alors partagez-la, puisque forcément ça sera aussi important pour vos amis. Partagez-la, likez-la, là c'est important pour ma chaîne, et ça permet à la petite communauté qui commence à s'agglomérer autour de cette chaîne d'être mieux connue, et donc d'avoir forcément beaucoup plus de retours à partir de chacune des vidéos qui vont sortir, et beaucoup plus de retours, ça veut dire beaucoup plus d'idées auxquelles se confronter, et beaucoup plus d'idées qui vont t'aider à faire mûrir les réflexions dans le domaine patrimonial. Alors pourquoi essayer de prévoir ce que fera la bourse l'année qui vient, que ce soit 2020, que ce soit 2021 ou 2050, on regarde toujours ce qui se fera l'année qui arrive. Mais cela n'a pas d'intérêt parce que quand on dit que la bourse va monter de X% ou baisser de Y%, la bourse, c'est un concept qui ne correspond pas à des chiffres. Ce qui correspond à des chiffres, ce sont les indices. Donc quand on parle de la hausse de la bourse ou de la baisse de la bourse, on parle en réalité de la hausse des indices de référence. Alors, vous savez, en France, nous avons un indice phare qui s'appelle le CAC 40. Comme son nom l'indique, c'est l'indice qui traite des cours des 40 plus grosses valeurs de la côte française. Et dans cet indice, on trouve des noms que tout le monde connaît. On trouve Airbus, on trouve LVMH, on trouve Total, on trouve Kering. On trouve ce genre de choses. Donc, on est d'une part sur des actions qui ne sont pas représentatives de la totalité du marché. Alors pour ça, il y a un indice plus large qui s'appelle le SBF 120. Comme son nom l'indique, il regroupe 120 actions. Mais là encore, on n'est pas représentatif de la totalité du marché. Conclusion, le sort des indices n'est pas représentatif de la réalité du sort du marché. Et d'autre part, un indice, on peut dire que c'est une sorte de moyenne, et vous savez très bien que quand on parle d'une moyenne, ça ne rend pas compte de ce qui se passe à l'intérieur de l'échantillon qui a permis d'établir cette moyenne. Autrement dit, on peut très bien avoir un indice qui monte, un indice qui reste flat ou un indice qui baisse, alors que à l'intérieur de cet indice, vous aurez des actions parfois nombreuses qui vont avoir des destinées totalement différentes de celles de l'indice. Je prends un exemple, enfin, qui est un exemple fictif. Imaginons qu'en 2020, l'indice reste plat, mais que
les cours du pétrole se mettent subitement à augmenter, comme ça arrive de temps à autre, pour des raisons parfois prévues, parfois imprévues, eh bien, on va avoir la valeur phare, enfin, une des valeurs phares de cet indice CAC 40, qui est lui-même un indice phare, qui s'appelle Total, dont les cours vont forcément monter. Alors, ceux qui se seront basés sur une estimation, une anticipation d'absence de variation des cours en 2020, et qui, au nom de cette analyse, se seront abstenus d'investir, d'autres, avec la même analyse, auront investi, mais imaginons ce scénario-là, eh bien, ne profiteront pas de la hausse de Total, comme ils en ont profité dans l'hypothèse qu'ils auraient investi, en l'occurrence, ils auraient investi sur Total. Donc, on voit bien que se baser sur des anticipations concernant l'évolution des cours, donc l'évolution des indices, qu'on appelle vulgairement l'évolution de la bourse, ce n'est pas quelque chose d'opérationnel. Autrement dit, en bourse, il n'y a pas, à quelques exceptions près dont je vais parler tout à l'heure, il n'y a pas de gens qui investissent en bourse, il n'y a que des gens qui achètent certaines actions. Et bien sûr, on comprend que cela est fondamentalement différent, et que les raisonnements globaux qu'on peut faire sur la bourse, comme une sorte d'entité éthérée, sont inopérants en ce qui concerne les problématiques de M. Dupont, qui se demande si, en 2020, il vaut mieux acheter de l'Air Liquide, du Kering, du Capgemini ou du Apple. Et ce même M. Dupont, pour se déterminer dans ses hypothèses de travail, autrement dit dans la présélection qu'il a fait sur l'identification d'actions sur lesquelles il souhaite investir ou l'envisage d'investir en 2020, eh bien, que va faire M. Dupont s'il est sérieux? Il va se procurer les bilans de ces entreprises qui sont tout à fait officielles puisqu'elles sont cotées en bourse. Il va les analyser et à partir de là, il va en déduire quel est leur potentiel d'enrichissement dans les années qui viennent à partir de 2020, autrement dit quel est leur potentiel d'augmentation de leurs bénéfices, c'est-à-dire leur potentiel de création de valeur. Il va également étudier de près leur stratégie commerciale pour conforter les analyses qu'il aura faites à partir du bilan. Il va également s'intéresser à l'environnement international pour s'assurer que ce qui se dessine, là je ne parle pas d'anticipation, de prévision, de boule de cristal, mais je parle de ce qui se dessine, donc de ce qui est déjà commencé, eh bien que les modifications qui se dessinent dans l'environnement vont être ou défavorables, ou au contraire très favorables à l'évolution des actions sur lesquelles, auxquelles ils s'intéressent. Donc là, ce sont les paramètres qui sont directement liés à la société aux sociétés auxquelles on s'intéresse, aux sociétés qu'on souhaite analyser quand on veut faire de l'investissement en bourse. Dans l'étude de ces paramètres, j'ai parlé du cas de la conjoncture extérieure, puisque j'ai envisagé qu'un certain nombre de facteurs extérieurs pourraient influencer les résultats des sociétés auxquelles s'intéresse notre cher monsieur Dupont. Alors, ces paramètres, je ne cherche pas à les détailler dans le cas de cet exemple totalement fictif, mais en gros, ils sont de deux ordres, de trois ordres. Ils sont politiques, c'est essentiel. Évidemment, selon que l'atmosphère soit à la guerre ou à la paix, notamment dans les régions où opèrent les entreprises auxquelles s'intéresse notre investisseur, ça peut changer beaucoup de choses. Ils sont monétaires, selon la façon dont évolue la monnaie dans laquelle l'entreprise auxquelles s'intéresse Dupont, les entreprises auxquelles il s'intéresse, va évoluer par rapport aux monnaies qui sont les monnaies des marchés sur lesquelles son entreprise va vendre, enfin cette entreprise va vendre, c'est bien sûr essentiel. Et puis, il y a aussi l'économie générale, l'évolution générale de l'économie. On comprend que si l'évolution de l'économie va dans le sens d'un enrichissement des populations qui sont sur les marchés où opèrent les entreprises qui nous intéressent,
ça ne peut que favoriser le développement des chiffres d'affaires. Si au contraire on est dans des cycles de récession et des cycles plus ou moins calamiteux, comme on connaît en Europe par exemple, dans l'Union européenne, ce ne peut pas être favorable au développement du chiffre d'affaires, donc des bénéfices des entreprises qui nous intéressent dans ces régions géographiques. Alors vous voyez que ces critères opératoires pour décider d'investir sur une entreprise font que les anticipations que l'on pourrait faire sur l'évolution globale des marchés, que ce soit notre cher CAC 40, que ce soit d'autres indices européens, que ce soit les indices américains, eh bien on s'en contrefiche. À partir du moment où vous estimez que LVMH par exemple, qui connaît un succès fulgurant, une fortune fulgurante depuis quelques années, vous estimez qu'en 2020, ça va continuer, même si vous estimez que la bourse, le CAC 40 notamment, risque de baisser de 20% ou de 30% en 2020, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que, compte tenu des analyses que vous avez faites, probablement que LVMH continuera à monter. Et même si dans une espèce d'ambiance de panique globale qui règne sur les bourses lorsque de graves cracks se produisent, de graves chutes globales se produisent, LVMH ou d'autres actions qui vous intéressent venaient à baisser, ça ne serait que provisoire, car les moteurs propres à leur développement, eux, ne seraient pas affectés par ces événements. Donc imaginons que vous avez investi en 2020 sur LVMH, toujours, je ne suis pas ni actionnaire ni propriétaire de cette société, donc je parle en toute indépendance, par rapport à mon exemple. En 2020, ben, probablement ça baissera. Bon, cela dit, la société vous versera quand même un dividende, donc ça amortira la baisse que vous avez subie, et puis probablement dès 2021, elle repartira dans sa... Dans la phase d'ascension durable dans laquelle elle se trouve, et tout ça sera effacé. Conclusion, c'est bien la société qu'il faut regarder, et surtout pas des spéculations sur ce que pourraient devenir les indices. Mais la réalité n'est jamais aussi simple. Alors je n'enlève rien au développement que je viens de faire là, pendant une dizaine de minutes, mais ce développement ne couvre pas 100% des situations possibles sur les marchés financiers. Il y a des investisseurs, moi j'appelle plutôt ça des spéculateurs, qui, au lieu d'acheter des actions ou des fonds dans lesquels il y a des actions de telle ou telle société, ou des sociétés de tel secteur, ou des sociétés de telle taille, enfin bref, des fonds qui sont caractérisés d'une manière ou d'une autre par rapport aux actions qu'ils contiennent, eh bien, ces personnes font simple et décident d'acheter ce qu'on appelle des indices. Alors acheter un indice, concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire acheter un véhicule boursier qui s'appelle les ETF, donc Exchange Trade Fund, pardon, qu'on appelle aussi les trackers. Pour faire simple, ce sont des sortes, on va dire, de fonds, qui sont souvent synthétiques d'ailleurs, mais bon, peu importe les détails techniques, ce sont des fonds dont la composition en action est la même, ou est la plus près possible, de ben, soit la composition de l'indice CAC 40, si c'est un tracker sur l'indice CAC 40, ou par exemple si vous voulez acheter un tracker sur les mines d'or, sa composition va représenter les pourcentages de toutes les mines d'or qu'il y a, ben, mettons dans le monde entier, si votre tracker c'est un tracker sur les mines d'or du monde ou des mines d'or américaines, etc. Bon, c'est ça le principe de l'indice. Alors c'est très sympa parce qu'on se casse pas la tête. On se garantit de faire aussi bien que l'indice. Alors j'ai fait un lapsus, j'ai parlé du principe de l'indice, c'est ça le principe des trackers. On ne se casse pas la tête parce que le tracker, on fera aussi bien que l'indice, pour autant qu'il soit assez fidèle, qu'il colle bien, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les rapports à l'intérieur de... le poids des sociétés entre elles à l'intérieur de l'indice sur lequel on s'est placé se modifie tout simplement parce que les cours des sociétés évoluent différemment, il faut que l'indice s'adapte, autrement il y a un biais qui se crée au fil du temps et on ne fera pas, la performance que l'on aura avec nos trackers ne sera pas exactement la même que celle de l'indice. Bon.
À part ça, on comprend le système, on comprend que ce système est très simple, et que bien quand on a les creux, c'est-à-dire quand on joue le bon indice, les années où cet indice a vraiment bien marché, on va gagner de l'argent très facilement, sans aucune gestion de portefeuille. Alors, il y a des investisseurs qui sont spécialisés là-dedans, et on comprend que à partir du moment où vous êtes investisseur sur un indice global du genre indice CAC 40 ou des indices qui représentent d'autres bourses à l'étranger par exemple, là pour investir votre souci ça va bien être qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient sur l'indice. C'est pas le fait de savoir que si vous êtes sur l'indice CAC 40 vous avez 12 entreprises dont les actions, dont le cours va monter, on va dire quoi qu'il arrive, ou ne baissera pas quoi qu'il arrive. Si vous en avez 28 autres dont le cours plonge, votre indice va baisser. Donc là, effectivement, la problématique d'anticiper ce que sera l'indice a un sens parce que vous êtes investisseur sur l'indice. C'est le cas particulier. Alors traitons, essayons de traiter de cette problématique-là. On va imaginer que nous ayons collectivement décidé d'investir sur l'indice CAC 40. Et à ce moment-là, je pose la question, est-ce que aujourd'hui, il est très pertinent de s'interroger sur une éventuelle, non pas hausse de l'indice, puisqu'évidemment, si on souhaite investir sur l'indice CAC 40, c'est qu'on part du principe que on est plutôt dans un environnement favorable à l'os. Notre crainte, c'est qu'il baisse. Est-ce que aujourd'hui, il est raisonnable ou probable de penser que l'indice CAC 40 puisse baisser sérieusement en 2020? Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans une période de taux nul, négatif à un certain niveau de la pyramide des taux, hein, on dirait en gros au niveau d'origine, mais qui en pratique pour les entreprises sur un point, en gros on va dire que les taux sont nuls, d'abondance monétaire, c'est-à-dire que les banques centrales créent à l'appel, et vous le savez, j'ai fait sur ce thème plusieurs vidéos où j'en ai parlé à l'occasion de différentes vidéos sur les sujets que je traite sur cette chaîne. Donc, abondance monétaire, création de monnaie, en veux-tu, en voilà. La nouvelle patronne de la Banque Centrale Européenne, Madame Lagarde, Christine Lagarde, donc qui arrive du FMI, a annoncé clairement qu'elle continuerait la politique de Mario Draghi, et que ben, s'il s'avérait que la conjoncture donnait quelques signes de faiblesse ou que le sort des marchés financiers semblait mis en cause, eh bien, elle continuerait à inonder toute sa liquidité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment craindre un effondrement des marchés? Personnellement, je ne pense pas. Ce que je pense, c'est que dans un contexte normal, c'est-à-dire sans des banques centrales qui sont ultra proactives et délirantes en matière de création de monnaie, il y aurait, du point de vue économique, et quand on compare le tempo de l'économie avec celui de la bourse, c'est clair qu'il y a des déphasages déjà même importants, donc il y aurait des risques de réajustement, c'est-à-dire de baisse des cours pour que bien les cours reflètent à peu près la réalité de l'économie, c'est-à-dire le potentiel global d'enrichissement des entreprises. Donc cela peut très bien démarrer, ce genre de choses peut démarrer, mais les pompiers sont là avec des quantités d'eau et de produits pour éteindre le feu qu'on n'a jamais vu. Et donc, je ne crois pas personnellement à un effondrement des bourses en 2020. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des années croches. Voilà, alors ça c'est mon analyse, c'est mon sentiment. On peut bien sûr voir les choses différemment. Si c'est votre cas, bien sûr, précipitez-vous sur les commentaires. Critiquez l'analyse que je fais, c'est l'occasion également. Ça sera pour vous aussi l'occasion de critiquer votre propre analyse, puisque vous allez la confronter à la mienne. Donc ça vous fera avancer, ça fera avancer tout le monde. J'admets parfaitement qu'on puisse avoir des analyses différentes, mais même si vous avez des analyses différentes, il est clair que
la conjoncture fait que l'analyse que j'émets là doit être prise au sérieux, en tout cas est une hypothèse dotée d'une probabilité forte. Donc, la question de la pertinence, la pertinence plutôt de la question d'un effondrement des marchés financiers en 2020, à mon sens, n'est pas prioritaire, vu ce contexte-là. Mais le contexte, c'est évidemment, l'éloignement du risque d'effondrement des marchés financiers grâce à la surabondance de monnaie et à des taux qui ne veulent plus rien dire, qui ruinent le fonctionnement normal du capitalisme. Bon, certains peuvent s'en réjouir, mais enfin, ça n'empêche pas que si le capitalisme se casse la gueule, en l'occurrence, le capitalisme étant le régime économique dans lequel on est, ça veut dire que l'économie chute avec lui. Donc ça, c'est quand même un petit souci. Mais ce qui a vraiment du sens, c'est de se demander à quel moment les masses d'argent que l'on déploie pour empêcher les marchés financiers de s'effondrer, pour sauver le capitalisme tout en le noyant en même temps d'ailleurs, donc tout ça finit par être très confus et ne pas avoir beaucoup de sens, à partir de quel moment les monnaies vont s'effondrer. Alors vous le savez si vous me suivez depuis quelques mois, c'est ma thèse centrale. Je ne suis pas seul à penser ça, il y a des économistes beaucoup plus connus que moi et qui jouent un rôle éminent dans différentes institutions qui pensent cela, même s'ils ne le proclament pas sur les toits quand on s'intéresse à certaines de leurs déclarations, on le comprend directement ou on le comprend par déduction de certains de leurs propos. Pour moi, le vrai risque est là, voilà. Alors, vous voyez que ça n'empêche pas d'investir sur les marchés financiers, de toute façon. Mais quand même, il faut se demander si, en échappant aux crocodiles qui pourraient nous manger sur les marchés financiers, on n'est pas en train de se jeter dans les griffes du tigre de l'effondrement monétaire. Alors, pour terminer sur une note pratique, quelle stratégie me paraît adaptée à l'année qui se présente? Eh bien, vous l'avez compris, je pense qu'il faut continuer à investir en actions ou y aller si on ne l'a pas fait. Vous avez compris aussi à travers les exemples que j'ai pris que pour moi, investir en actions, surtout dans le contexte actuel, ça veut dire rester sur les plus belles valeurs de la côte française. Ou pas française, si vous êtes capable de vous débrouiller du point de vue mesure et analyse de marchés étrangers, restez, mettons, sur une dizaine de plus belles valeurs, les analyser, garder celles qui donnent les meilleurs dividendes, regarder ce qu'elles ont fait sur le long terme. Le long terme, c'est 20 ans. Faites-vous un petit portefeuille là-dessus. Vous répartissez de manière équipondérée, c'est-à-dire à égalité. Mettons, si vous voulez mettre 10 000 euros, vous faites 5 lignes ou 8 lignes, 10 lignes de ces actions-là. Et puis, vous divisez vos 10 000 euros en 5, en 8, en 10 que vous mettez sur chacune de ces actions. Et puis, à la fin de l'année, en fonction dont ces actions ont évolué, d'autres auront mieux marché que d'autres, eh bien, vous ferez une péréquation pour que vous démarriez l'année 2021 avec toujours votre portefeuille équipondéré. Alors maintenant, pour le choix de ces actions, outre cette grande ligne, ces grands principes que je viens de citer, on peut creuser plus, on peut aussi raisonner, comme je l'indiquais dans l'exemple fictif de tout à l'heure, par rapport à l'évolution de l'euro comparativement au marché sur lequel ces entreprises évoluent, également par rapport aux évolutions politiques internationales qui se présentent. Ça permet d'avoir une sélection un petit peu moins aveugle, et dans laquelle il y aura notre patte personnelle
en espérant bien sûr que notre patte personnelle soit guidée par un cerveau bien inspiré. Ici, en matière de gestion de patrimoine. En tout cas, l'analyse que je fais là pourra être complétée. Il faut introduire le volet de l'utilisation de l'or, puisque le principal risque, à mon avis, c'est ce qui pèse sur la monnaie. Eh bien, même si l'euro ne s'effondre pas l'année prochaine, on va probablement assister progressivement à la continuation de la baisse de l'euro, et comme la baisse des autres grandes monnaies, baisse de l'euro qui, vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, notamment mes vidéos sur l'or, baisse de l'euro qui se caractérise par la hausse de l'or par rapport à l'euro. Donc, il faut acheter de l'or. Là, je parle d'or physique, donc il faut continuer à acheter de l'or. Et puis on peut dire aussi que ça peut servir de couverture si jamais un coup de Trafalgar formidable se produisait sur les bourses, qui entraînerait malgré tout une baisse momentanée des actions que l'on a choisies. Si à côté de ça vous avez votre poche or qui augmente, l'effet de la perte des actions sera immédiatement compensé. Vous n'aurez pas besoin d'attendre l'année prochaine que vos belles actions aient repris des couleurs pour récupérer ces pertes. Donc il me semble que associer une certaine quantité d'achat d'or à votre choix d'action pour investir en 2020 est quelque chose qui est globalement cohérent. Donc je vous ai dit 95% de ce que je voulais vous dire, en tout cas l'essentiel est dit. Avant de vous dire au revoir, je vais vous donner quelques exemples d'évolution de ces belles actions dont je parlais sur une période de 20 ans, puisque je vous ai expliqué que c'est sur des périodes significatives qu'il faut se positionner pour choisir les actions auxquelles on va s'intéresser. Donc je regardais ça, bon, vous trouverez ça facilement sur internet. Donc LVMH, en février 2000, était à 88-90 euros. Et dernier cours, c'est-à-dire au 29 novembre, on est à 407 euros depuis 20 ans. Je regarde le cours de L'Oréal. Alors L'Oréal, même chose, on va se positionner je fais ça un petit peu à la louche, voilà, c'est 27 octobre 2000. C'est au sommet avant le krach de 2000, elle était à 87,60 euros. Et dernier cours du 29 novembre, elle est à 258 euros. Le cours de l'air liquide. Même chose. Si on regarde en 2000, 27 octobre, c'est 99, on va passer à 2000, ou à 25 février 2000. 30 euros, ou 30, mars 2000, 30,31 euros, donc 30 euros. Dernier cours, c'est 123 euros le 29 novembre. Donc elle a moins explosé, mais elle a quand même été multipliée par 4. Et encore une fois, ce sont des cours dividendes non investis. Airbus. Airbus, si vous regardez Airbus en 2000, on avait un cours qui était de 20 euros à peu près. Et dernière cotation du 29 novembre, 133 euros. J'arrête là, vous pouvez faire la même chose sur les actions qui vous intéressent. Encore une fois, regardez les belles actions parce qu'elles sont à peu près submersibles. Appliquez ce raisonnement qui me paraît marqué au coin du bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intérêt qu'il peut y avoir à investir en actions en 2020. Malgré tout ce que les Cassandres et les Ficarabos peuvent nous annoncer aujourd'hui, portez-vous bien, surtout commentez, puisque je sais bien que quand on parle d'action, ça déchaîne les passions entre les anticapitalistes, ceux qui sont persuadés que les actions c'est une catastrophe, ceux qui ne jurent que par telle ou telle action, ceux qui ne jurent que par les actions japonaises alors que j'en parle pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire. Je suis très intéressé par ce qu'ils disent. Je suis aussi intéressé par ce que vous qui regardez ça et ne connaissez pas grand-chose à ces marchés-là, auront à dire. Je vous souhaite donc une bonne réflexion sur ces sujets-là. Encore une fois, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Vous avez l'icône. Vous avez aussi un lien sous la vidéo. Vous avez aussi un lien pour vous abonner
mes articles patrimoniaux, et je vous dis à très bientôt.